Salut la famille, c'est Akina sur le front médiatique et nous sommes le mardi 30 novembre 2021 et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Citoyens extraordinaires et pour ce septième épisode nous avons la chance d'avoir avec nous Mikaz. Salut Mikaz. Salut, salut. Comment vas-tu Ça va, ça va et toi Super, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir avec nous sur le Médiatique. On va parler de ta prise de conscience, de l'espoir de la jeunesse, comment agir sur le monde. Mais avant, je me permets quand même de te présenter. Donc, euh, Mickey Cass, tu te présentes comme un apprenti, autonomiste, autodidacte de 17 ans. Et tu n'es pourtant qu'un jeune lycéen. Nous sommes nombreux à t'avoir découvert il y a un peu moins d'un an grâce à ta magnifique vidéo sur l'ingénierie sociale qui s'appelait Comment s'est-on fait prendre au piège et qui résume merveilleusement bien ce concept de manipulation des masses, des foules, en moins de 10 minutes. Ce qui est Vraiment hallucinant à ton âge d'avoir compris aussi bien ce concept. Euh, on a découvert, euh, sur, on découvre aussi sur ta chaîne YouTube hein, que c'est loin d'être ta première vidéo. En effet, il y a cinq ans, tu réalisais déjà des capsules humoristiques et créatives hein, sur ta vie euh, de collégien, ta vie de jeune ado. Et ça démontrait déjà à l'époque ta facilité à être face caméra et à réaliser de A à Z des vidéos avec des tout petits moyens. Le résultat était déjà bluffant en préparant l'émission. J'ai bien rigolé. J'encourage la communauté à les découvrir aussi, même si tu étais peut-être moins dense intellectuellement. En tout cas, c'est déjà magnifique de voir à, 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 à l'âge qui était le tien à l'époque, de voir ce que tu étais capable de faire. Et on pouvait déjà voir entre les lignes hein, une forme de critique du fonctionnement de notre société euh, à travers des petits, des petits messages, euh, sub, pas subliminal, mais entre les lignes, on peut dire. Quelques années plus tard, euh, ta chaîne va évoluer va se transformer et tu vas réaliser de nombreuses vidéos sur les jeux vidéo, comme euh, par exemple sur Fortnite, euh, comme tant d'autres vidéastes, hein, euh, youtubeurs euh, sur la toile. En 2020, c'est un tournant progressif hein, dans ton travail de vidéaste. Tu décides de faire évoluer tes créations en t'éloignant des jeux vidéo euh, et des vidéos plus légères, car euh, c'est toi qui le disais, tu trouvais de moins en moins d'intérêt à jouer aux jeux vidéo et encore moins à produire des contenus sur le sujet, tu étais moins motivé pour ça. Et donc, tu es monté en puissance dans ta compréhension du monde, avec ton âge aussi, dans ta capacité à prendre la parole en public. Et euh, tu vas même avoir le culot d'intervenir sur C8 hein, il, y a, il y a un peu plus d'un an, ou il y a un peu moins d'un an, dans l'émission euh, Balance ton poste euh, pour poser des questions sur les vaccins à un député de la République. En marche. Tu as donc réalisé une dizaine de vidéos sur la société cette dernière année, hein, sur les enjeux actuels en parlant de manipulation des masses, du grand reset, de la dictature sanitaire, du capitalisme, du matérialisme, de la franc-maçonnerie, voilà plein de sujets. Il n'y a aucun tabou et tu te permets d'aborder des sujets aussi sensibles. Euh, tu as une compétence incroyable hein, de synthétiser des sujets complexes en moins de 10 minutes avec un regard euh, accessible, avec une démarche vraiment de vulgarisation, ce qui est aussi ta, ta marque de fabrique. Et la communauté en ligne valide euh, par, par son audience grandissante la qualité de tes productions hein, à la à fois sur le fond comme sur la forme, euh, tu cumules aujourd'hui à près de 34 000 abonnés euh, sur YouTube et tu as dépassé les 3 millions de vues sur YouTube. Voilà, et plus récemment, euh, tu t'es lancé dans un nouveau projet ambitieux je cite, hein, celui de tendre dans les années à venir vers de plus en plus d'autonomie à tous les niveaux. Et donc, tu nous partages cette folle aventure sur ta chaîne. Hein. Tu parles donc d'autonomie, de résilience, de permaculture, de semis, de culture en lasagne, etc. Et tu continues bien évidemment à réaliser des contenus plus politiques. Voilà, merci encore à toi d'être là avec nous sur le front médiatique. Tu es, es peut-être le plus jeune invité qu'on a sur le front médiatique après près de deux ans d'existence, près de 200 vidéos. Et donc vraiment, on est content d'accueillir la jeunesse sur notre média, qui est aussi un média assez jeune et avec un public aussi assez jeune. Donc je vous propose un échange en trois temps. Dans un premier temps, on va revenir dans une conversation assez informelle. Hein. Ça va être bonne en. Bon, euh, en entre amis, comme une conversation de salon, parler un peu de toi, de ton parcours, de tes prises de conscience, de ton regard sur le monde, de ton engagement aujourd'hui. Ensuite, dans un second temps, on parlera un peu de la jeunesse aussi, parce qu'on n'a pas forcément tous la chance de rencontrer des jeunes de 17 ans qui ont ton regard sur le monde. Et tu fréquences, j'imagine, évidemment, des, des jeunes de ta génération. Donc, savoir comment la jeunesse c'est actuellement, cette génération un peu sacrifiée. Parler un peu de la léthargie des jeunes aussi, leurs aspirations, leurs rêves. Et enfin, dans un troisième temps, on parlera un peu de l'état du monde, du diagnostic, mais aussi surtout des stratégies pour agir, donc des moyens d'action pour avoir de l'espoir sur l'avenir. Et ben voilà, comment toi, tu, tu décides d'agir à ton échelle donc euh, mais tout d'abord euh, pour parler un peu de toi euh, j'ai fait une présentation un peu formelle de tout ce que qu'on peut découvrir de toi sur la toile euh, j'aimerais savoir un peu mais dans quel environnement euh, sans rentrer évidemment dans, dans, dans des choses intimes hein, dans quel environnement tu as grandi euh, en termes de famille des frères et sœurs, euh, quel type d'éducation est-ce que tu avais déjà des parents qui étaient critiques de la société des parents engagés ou pas dans, dans des associations ou dans des dans, de, dans le monde politique euh, voilà savoir déjà un peu dans quel contexte tu as grandi de tes, je sais pas de tes 0 à tes 15 ans